Salut à tous les amis. Eh bien, en attendant la projection de Ragging Fire, hein, qui sera projetée au Forum des Images le dimanche 19 septembre à l'occasion de la clôture de l'étrange festival, j'avais envie de découvrir un film de Benny Chan que je n'avais jamais vu et que pourtant j'avais depuis un petit moment. Il s'agit de son quatrième film avec Andy Lau et Wu Chenlian. Je parle bien évidemment de A Moment of Romance. On retrouve au casting, comme je l'ai dit, Andy Lau et Wu Chenlian, entre autres. On a aussi un petit rôle de Tommy Wong et on a le regretté Ng Man Tat qui fait partie du casting. Et c'est toujours avec un petit pincement au cœur que je le revois maintenant dans des films, parce qu'il nous a quittés il y a très peu de temps, tout comme le regretté Benny Chan malheureusement. On va suivre un jeune homme interprété par Andy Lau, membre d'une triade, un petit peu perdu, orphelin, qui lors d'un braquage va prendre en otage une jeune femme pour couvrir sa fuite, et une romance va s'installer entre les deux. Une romance qui ne sera pas très bien vue par les membres de la triade dont Andy Lau fait partie, puisque justement le parrain vient de mourir, et une lutte pour prendre le pouvoir va se mettre en place, ce qui va déboucher sur des événements tragiques. Un film qui a la saveur particulière du old school hongkongais, c'est-à-dire une romance bien appuyée, des méchants très méchants, un jeune héros viril mais aussi un petit peu fragile qui n'est pas tout à fait à sa place dans ce monde, qui cherche une raison d'exister et qui va la trouver en la présence du personnage joué par Wu Chenlian, qui va, elle, va interpréter une jeune femme issue d'une famille un petit peu bourgeoise qui va peut-être chercher le grand frisson, la grande aventure pour pouvoir sortir de cette vie bien sage qu'on lui a imposée. Une romance va naître entre les deux, une romance à la hongkongaise dans les années 90, c'est-à-dire sous fond de cantopop. La bande originale du film, et si vous aimez la cantopop, vous allez vous régaler, il n'y a que des très très bons morceaux qui soulignent parfaitement et habillent les scènes romantiques. Mais on va quand même être principalement dans un film de Benny Chan, donc un film d'action, de triade. On va avoir notre lot d'affrontements à la machette, de bastons bien violentes d'ailleurs, de courses-poursuites, de scènes en moto. Oui, parce que dans A Moment of Romance, le personnage d'Andy Lau est un champion de moto, un conducteur hors pair, et c'est pour ça qu'il a été engagé comme chauffeur lors du braquage qui intervient au début du film et qui va donner lieu à la rencontre entre les deux personnages principaux. Je trouve qu'on sent bien la patte de Benny Chan derrière ce film, c'est-à-dire beaucoup d'efficacité, un récit très fluide, des personnages qui arrivent à être attachants et à développer un côté humain et assez faillible, notamment pour celui de Ng Man Tat qui va jouer un espèce de vieux voyou un petit peu perdu, qui va s'occuper d'une rue en particulier et de garder les voitures qui sont garées, les nettoyer, garder les places. Et voilà, le personnage est assez pathétique mais très très attachant, et voilà, ça me fait toujours un petit quelque chose de le revoir à l'écran, sachant qu'il nous a quittés il y a vraiment peu de temps. Voilà, comme je l'ai dit, hein, ça a été des années un petit peu sombres pour le cinéma hongkongais, puisqu'après Ringo Lam, on a perdu Benny Chan, on a perdu Ng Man Tat. C'est assez triste tout ça. Mais j'étais content de revoir ce film qui, voilà, qui date de 1990, donc il y a quand même 31 ans, et qui
regroupe pas mal de choses qui font que j'aime le cinéma hongkongais de l'époque, c'est-à-dire pas mal d'excès dans les sentiments, dans la violence, cette musique très très appuyée, bien typique cantopop qui vient appuyer sur les scènes romantiques, et qui vient ajouter une émotion certaine, hein, parce qu'il n'y a pas que dans les scènes romantiques, il y a dans les scènes de questionnement du héros par exemple, où on voit Andy Lau qui essaye de s'extirper un peu de sa condition de mec des triades, qui entreaperçoit un avenir avec Hu Shenlian, mais il sait qu'il ne pourra jamais se dépatouiller de la rue et des membres des triades qui sont à ses trousses. Le film a un côté tragique, bien souligné, notamment dans sa superbe scène finale où on voit Hu Shenlian en robe de mariée qui court pour essayer de retrouver Andy Lau. Mais j'aime bien cette idée de personnage qui va toujours courir à la recherche de quelque chose qu'elle a inexorablement perdu. Si vous avez envie d'un bon drame hongkongais à l'ancienne, A Moment of Romance est un film qui est fait pour vous. C'est un très bon Benny Chan, c'est clairement dans son top 10. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais, comme moi, vous l'avez vu assez tardivement ou que vous ne l'avez pas encore vu, bah, n'hésitez pas à revenir me lâcher un petit commentaire une fois que vous l'aurez visionné. J'ai vu qu'il y avait deux autres suites, le deuxième qui est aussi réalisé par Benny Chan et le 3 qui est réalisé par Johnny To. Je suis assez curieux, donc je vais essayer de me faire ces deux suites prochainement. Et en attendant, bah, je vous dis à la prochaine. On se retrouve assez vite pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!